Western Armenia TV-ի եթերում այսօր առցանց կզրուցենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Լիդիա Մարկոսյանի հետ։ Տիկին Մարկոսյան, նախ շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար, և թերևս առաջին հարցը, մենք ոգեկոչեցինք հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, ի վերջո ո՞րն էր ցեղասպանության գլխավոր պատճառը։ Eh bien, tout d'abord, merci pour votre invitation. Effectivement, le monde arménien vient de commémorer le génocide perpétré contre le peuple arménien. Et je voudrais, à cette occasion, tout particulièrement remercier l'ensemble du corps diplomatique et consulaire de l'Arménie occidentale, l'ensemble de ses représentants officiels et, sans oublier, bien entendu, les porte-drapeaux de l'Arménie occidentale. Alors avant effectivement de répondre à votre question, j'aimerais tout de même apporter un certain nombre de rectificatifs concernant des contre-vérités qui entourent ces commémorations. Parce qu'il faut en finir avec ces contre-vérités. Tout d'abord, la question de la datation. J'entends dire que le génocide des Arméniens de 1915, donc c'est produit en 1915. Mais depuis quand le génocide des Arméniens a commencé en 1915 et s'est terminé en 1915? Ce n'est pas sérieux. Nous savons très bien que des massacres génocidaires ont commencé à Sassoun et se sont poursuivis sur tout le territoire de l'Arménie occidentale et au-delà, jusqu'en 1923. C'est-à-dire que de 1894 à 1923, vous avez eu une politique de différents programmes génocidaires qui se sont succédés, et cela concerne la phase culminante de ces programmes génocidaires qui n'ont en réalité jamais cessé, et nous reviendrons sur cette question, donc sur une périodicité de 30 ans. C'est important de le notifier parce que ces contre-vérités ont des conséquences juridiques, elles ont des conséquences historiques et elles ont des conséquences sémantiques. En notifiant qu'un génocide a eu lieu en 1915, a des conséquences juridiques au regard de la responsabilité des États impliqués directement ou indirectement dans le cadre de ce génocide. Deuxième contre-vérité. À un moment donné, il va falloir arrêter de parler du génocide arménien. Écoutez, je vais vous donner un exemple trivial, puisque, a priori, le monde ne semble pas comprendre. Lorsque la France produit une voiture, on dit que c'est une voiture française. N'est-ce pas? Lorsque l'Allemagne produit une voiture, on dit que c'est une voiture allemande. Qui l'a conceptualisée? Qui l'a fabriquée? Si ce n'est l'Allemagne ou la France? Donc, la voiture est française. Française est l'adjectif qui qualifie le nom de la voiture. Qu'en est-il du génocide arménien? Est-ce que ce sont les Arméniens qui ont commis l'acte de génocide? Eh bien non. En réalité, il faut dire, écoutez, là on est en train de faire un cours de français, le génocide turc perpétré contre le peuple arménien. Voilà, alors la formule effectivement est un peu longue, mais elle est appropriée et surtout juste d'un point de vue juridique. Et puis par ailleurs, on ne peut réduire le peuple arménien au statut d'un adjectif. Troisième contre-vérité qu'il nous faut absolument rectifier. C'est-à-dire la localisation. J'entends bien souvent dire que le génocide des Arméniens a eu lieu en Turquie alors que l'État n'existait pas, enfin cette entité n'existait pas, ou encore qu'elle a eu lieu sur le territoire de l'Empire ottoman. Là encore, il ne faut pas perdre de vue que le plateau arménien a été
colonisé et que ce territoire se trouve dans l'état, sur une situation d'occupation. Donc, il conviendrait mieux de dire que le génocide des Arméniens a eu lieu sur le territoire de l'Arménie, sous occupation, hein, sous colonisation. Qui plus est, je rappelle que l'Arménie a obtenu tout un ensemble, tout un paquet de reconnaissance par le Conseil suprême des puissances alliées, et pas seulement par la Russie, par les États-Unis, et par tout un ensemble d'États, dont d'ailleurs nous faisons la liste actuellement, et cette liste augmente, donc par tout un ensemble d'États qui ont reconnu l'État arménien de 1920, et dont l'Arménie occidentale aujourd'hui est l'État continuateur. Bien. Et sur la base des souffrances du peuple arménien, qui ont commencé à partir de 1894 et même avant, que l'existence et la reconnaissance de l'État arménien a été faite. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en 1920, vous avez eu un État reconnu, qui est l'État arménien, en 1920, et que cet État a fait l'objet donc de toutes ces reconnaissances, et sur le territoire duquel s'est poursuivi les différents programmes génocidaires jusqu'en 1923. Donc, la formule appropriée, désormais, et qui doit être dans l'agenda du monde arménien, est qu'il y a eu un génocide perpétré contre le peuple arménien de 1894 à 1923 sur le territoire d'un État reconnu qui est l'État arménien, et en l'occurrence aujourd'hui que nous appelons l'Arménie occidentale, continuatrice de cet État arménien après une longue période de rupture de représentativité. Alors le processus de reconnaissance internationale du génocide effectivement est important. Et je voudrais à ce titre saluer la déclaration qu'a faite le président Joe Biden à ce titre, puisqu'il acte juridiquement ces massacres comme qualifiant de génocide. Et c'est un pas juridique extrêmement important, et encore une fois, je tiens à le saluer sur cette question. C'est un pas important, mais il ne faut pas perdre de vue, effectivement, la prochaine étape, qui est la question territoriale, la question de l'occupation territoriale, la question de la colonisation qui est encore présente sur le territoire de l'Arménie occidentale. Écoutez, moi quand je vais à l'ONU, je vois bien que les États, l'ensemble des États du monde, ont réussi tout de même leur processus de décolonisation. Les États africains, les États d'Asie, les États donc d'Amérique du Sud. Donc c'est un processus de décolonisation qui a eu lieu. Alors bien sûr, on peut parler de processus aujourd'hui de néocolonisation, mais il n'empêche que ces États ont un siège aujourd'hui à l'ONU et qu'ils siègent et qu'ils ont un drapeau et qu'ils ont toutes les insignes institutionnelles d'un État. Qu'en est-il de l'Arménie occidentale? Le monde arménien doit bien comprendre, à un moment donné, qu'ils ont toujours une question de colonisation et qu'ils doivent acter et œuvrer dans le cadre du processus de décolonisation de l'Arménie occidentale. Parce qu'un peuple déraciné de sa terre, comme nous le sommes aujourd'hui, vivant en exil, établi dans différents pays du monde, eh bien nous perdons les modes d'acquisition de nos savoirs. Nous nous assimilons. Donc, la question territoriale ne doit en aucun cas être perdre de vue et en tout cas œuvrer, et c'est l'étape de notre action. C'est l'étape, c'est le cadre de notre travail. Alors maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi le génocide des Arméniens a eu lieu? Alors certains avancent l'argument religieux. On peut l'admettre, mais ce que je constate dans l'histoire, c'est que même convertie à l'islam, notre population a continué à subir l'ensemble des massacres génocidaires. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient convertis
qu'ils étaient épargnés des massacres. Donc, il y a une raison bien plus profonde liée à l'ensemble de ces programmes génocidaires. Eh bien, il faut aller rechercher cela dans le fait qu'il existe de la part du colon la volonté d'empêcher la nation arménienne de se constituer en État. C'est-à-dire que on établit des massacres génocidaires pour empêcher la nation de se constituer dans le cadre d'une reconstitution nationale étatique. Ի վերջո, ինչ մեթոդներ են օգտագործում, որոնք թույլ են տալիս կանխել հայ ազգի ինքնակազմակերպումը եւ գործել իրենց ազգային պետական վերականգնման շրջանակներում? Alors voilà. Je viens de vous évoquer la raison profonde des différents programmes génocidaires. En réalité, et afin de répondre à votre question, il ne faut pas perdre de vue que les méthodes employées pour annihiler toute structuration étatique de l'Arménie, et en l'occurrence de l'Arménie occidentale aujourd'hui, eh bien, c'est d'avoir recours, de la part de ces entités criminelles, terroristes, d'avoir recours de manière périodique à des massacres génocidaires. Ces massacres génocidaires, je l'ai dit tout à l'heure, ont commencé à partir de Sassoud, se sont poursuivis sur tout le territoire de l'Arménie occidentale. Il suffit d'ailleurs pour cela de se reporter à la carte des déportations qu'avait établie la délégation arménienne présidée par Boros Nouba, où on voit bien les points de déportation et de massacres. Massacres qui ont continué donc à Bakou, à Kirovabad, dans le Dersim. Donc je ne fais pas là un acte chronologique, mais vous avez toute une série de massacres génocidaires qui ont affecté nos populations et aussi les différentes politiques d'oppression de notre population en Arménie occidentale. La dernière en date étant l'attaque visant la population de l'Artsar, une population paisible de 150 000 habitants qui vit sur ses terres ancestrales depuis plus de 10 000 ans, et on n'est pas là à 3 000 ou à 5 000 ans. L'attaque contre l'Artsar, il faut bien comprendre les choses. L'attaque contre l'Artsar est en réalité une attaque contre l'Arménie occidentale. Pourquoi c'est une attaque contre l'Arménie occidentale? Parce que nous savons très bien, et le monde le sait très bien, que l'Artsar, en droit international, fait partie intégrante de l'Arménie occidentale reconnue donc, en 1920. Je rappelle que les frontières occidentales ont été définies par la sentence arbitrale de Wilson, mais que les frontières orientales n'ont pas été définies et que l'entité qu'est l'Azerbaïdjan et la Turquie essayent de contourner le droit international, de le contourner juridiquement, par la force, en mettant en place des programmes génocidaires, précisément pour que la structuration de l'Arménie occidentale ne se fasse pas, précisément pour essayer d'affaiblir l'État, notre État. Mais nous ne sommes évidemment pas dupes. Alors, nous avons vu que notre population, la population arménienne établie dans les différents pays du monde, ont été amenés dans la rue pour demander l'indépendance de l'Artsar. Encore une fois, je demande à ma population de ne pas tomber dans des travers, dans des pièges visant à diviser la nation. Demander l'indépendance de l'Artsar, c'est demander le morcellement du territoire de l'Arménie. C'est en réalité attaquer l'intégrité territoriale de toute l'Arménie, attaquer le travail de la délégation de Boros Nubar qui avait reçu un acte d'indépendance sur l'ensemble du territoire. Alors c'est très grave ce qui se passe. Pour ce qui concerne l'Arménie occidentale, eh bien effectivement, nous reconnaissons le gouvernement de l'Artsar, puisqu'il y a eu un mouvement, et ce mouvement s'appelle le mouvement de l'autodétermination, hein, en droit, donc nous reconnaissons le gouvernement, mais en revanche, morceler le territoire de l'Arménie dans son intégralité, et notamment attaquer l'Arménie occidentale en visant son morcellement, est très grave. Et puis,
Quel est effectivement le deuxième élément concernant effectivement les attaques sur la structuration étatique de l'Arménie? Eh bien, là, il faut se référer au traité de Sèvres. Je rappelle que le traité de Sèvres, c'était quand même un traité éminemment important, et que l'Arménie, de 1920, a reçu un acte d'indépendance avant la signature du traité de Sèvres. Le traité de Sèvres n'est venu que confirmer ce que les États savaient déjà, et d'ailleurs, l'Arménie n'aurait pas pu signer le traité de Sèvres par la main de son plénipotentiaire à Aronian si l'Arménie n'avait pas été reconnue en tant qu'État. Donc il y a une logique. Mais je veux qu'on m'explique aujourd'hui pourquoi un certain nombre de structures, un certain nombre de forces communautaires dites arméniennes rejettent le traité de Sèvres. Je ne comprends pas. Soi-disant, il aurait été remplacé par le traité de Lausanne, ce qui est archi faux, puisqu'il s'agit de signataires qui étaient différents, et que le traité de Sèvres a toujours force, puisque, encore une fois, lorsque je vais à l'ONU et que je pose la question à certains États, leur demandant sur quelle base ils siègent aujourd'hui à l'Organisation des Nations Unies, eh bien, ils me répondent que c'est sur la base du traité de Sèvres. C'est-à-dire que vous avez un traité qui n'a pas été ratifié, mais qui en réalité a été appliqué, mais qui a été appliqué de manière différenciée, laissant de côté la partie arménienne. Cela n'est-il pas quelque peu injuste pour la partie arménienne? Et c'est ce que je fais comprendre, donc, avec l'ensemble de mes collaborateurs, aux États. Moi, je voudrais d'ailleurs solliciter les facultés de droit international, je l'ai déjà dit, pour m'expliquer comment un traité non ratifié est appliqué. Eh bien, c'est le cas. Ce qui veut dire que le traité de Sèvres a toujours force, et l'a toujours, puisque nous, en tant que structuration d'État, nous avons ratifié, pour donner l'exemple au monde, aller jusqu'au bout de leur signature et acter la ratification de ce traité international qui garantira la paix mondiale dans cette région du monde. Troisième point, de la volonté d'empêcher la structuration de l'État. Eh bien là, il faut se référer à la question sémantique de ce que on entend par diaspora. Alors là encore, je crois qu'il faut être très clair au niveau du vocable employé. Utiliser le recours au vocable de diaspora ne signifie absolument rien. Les Arméniens d'Arménie occidentale ont été chassés de leurs terres. Et en cela, j'invite le monde arménien à marquer leur attachement à la terre de leurs ancêtres. Et lorsqu'ils se disent Arméniens d'Arménie occidentale, ils affirment et ils marquent leur attachement à la terre, d'autant plus que cette terre se trouve sous occupation. Autrement, se réclamer de la diaspora relève, en tous les cas, à mes yeux, relève d'un acte d'abandon, relève d'un acte de renoncement, c'est-à-dire qu'on oublie, le rattachement à la terre, et effectivement, on se réclame d'une diaspora. Alors effectivement, il y a des éléments diasporiques, mais la majorité des Arméniens établis dans le monde sont des descendants des rescapés du génocide des Arméniens et vivent en exil d'un territoire aujourd'hui sous occupation, mais qui a été reconnu. Voilà. Դիվանագիտական մակարդակում ինչ գործողություններ ունեք նախատեսված եւ ինչպես եք տեսնում իրավիճակի կարգավորումը? Alors, tout d'abord, il faut savoir que je viens d'être nommée à ce ministère et que j'ai moi-même commencé à nommer l'ensemble de mon équipe, de mon corps diplomatique et consulaire, donc qui œuvre aujourd'hui dans le cadre de la diplomatie arménienne que nous mettons en place. Et je voudrais, effectivement, avant de répondre encore une fois à votre question, exprimer toute ma fierté quant à ce travail. Et parce que, finalement, lorsque je travaille sur les questions de diplomatie arménienne, eh bien, je me réfère toujours à cette plus ancienne carte du monde, gardée dans un musée britannique, qui révèle que l'un des plus anciens États du monde est en réalité
l'Arménie qui est nommée Urartu, ou en tout cas Arata, hein, dans son nom originel. Eh bien, vous avez là l'un des plus anciens États du monde, qu'est l'Arménie, qui, si nous, effectivement, faisons des anticipations, qui a été finalement à l'origine de la reconnaissance des autres États. Et si nous regardons dans le temps, qui est à l'origine au final de l'Organisation des Nations Unies. Et cet État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale aujourd'hui n'a pas encore sa place, mais pas encore, mais nous allons rectifier les choses au sein de l'Organisation des Nations Unies. Notre diplomatie, je vais vous dire, elle est simple, elle vise à défendre l'intégrité territoriale de toute l'Arménie. Dans ce cadre-là, nous établissons des liens diplomatiques avec l'ensemble des États, nous établissons des liens d'amitié et de fraternité pour les États qui nous ont déjà appuyés, et puis, pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, nous établissons des liens de connaissance et de partage, puisque aujourd'hui, la structuration de l'Arménie occidentale par le biais de son gouvernement et de sa diplomatie se renforce. Et je suis amenée à établir de nouvelles nominations dans ce cadre-là et dans différents pays. Alors, pour ce qui concerne l'immédiateté de la crise autour de l'Artsakh, hein, et des programmes génocidaires qui ont eu lieu autour de l'Artsakh, effectivement, la date du 27 septembre 2020 n'est pas une date qui a été choisie par hasard par les agresseurs, puisque nous savons très bien que 2020 correspond à l'année des centenaires, centenaire du traité de Sèvres, centenaire de la sentence arbitrale, centenaire de la reconnaissance de l'État arménien. Et en cela, nous le savons très bien, ce qui a été mis en place. Et le 27 septembre aussi n'est pas une date qui a été choisie par hasard, puisque nous savons que le 27 septembre 1920 correspond à une attaque contre l'Arménie, par ces mêmes entités qui se reconnaîtront. Alors, il est clair que pour nous, il y a deux choses qui sont urgentes. C'est effectivement, un, que la Turquie et l'Azerbaïdjan soient au final mises au banc de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi mises au banc? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a la violation des traités internationaux, le non-respect de la charte des Nations Unies, les crimes de guerre, les crimes de génocide, les turquifications forcées, la violation de la sentence arbitrale, et la liste est longue. En revanche, ce qu'il va falloir faire, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais m'attacher à cette diplomatie-là, c'est l'intégration de l'Arménie occidentale comme État permanent au sein de l'Organisation des Nations Unies. Et enfin, nous ne pourrons pas résoudre la question de l'Artsakh, ni même la question de l'intégralité de la question arménienne, sans inclure l'Arménie occidentale dans le cadre du groupe de Minsk, puisque si les coprésidents du groupe de Minsk veulent une paix globale et durable, elle ne pourra pas faire l'économie de l'intégration de l'Arménie occidentale dans le cadre des pourparlers de négociations de paix, puisque nous savons très bien, et qu'ils savent très bien, que c'est l'article 92 qui est là, qui nous attend et qui attend une résolution diplomatique et non pas par la force. Տիգին Մարկոսյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար. C'est moi qui vous remercie. Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Լիդիա Մարկոսյանի հետ. Կհանդիպենք.